Il écrit dans Luc 4, il s'est rendu à Nazareth, Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ayant regardé fixé sur lui, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mais non, il dit, « Cette parole est accomplie. » Cette parole est accomplie. La parole de guérir les malades. La parole de donner la liberté. La parole de donner la joie. La parole de délivrer. La parole de faire des aveugles sauter, voyant et sautant. C'est ce que le Seigneur est venu faire. C'est ce que l'Esprit qui était sur Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ, il a donné son esprit à ses disciples de faire le même travail. Quand il les a donné le pouvoir, il a dit qu'il partait chasser les démons, délivrer les gens. Parce que cette histoire des ténèbres, comme on a vu avant, cette histoire des ténèbres est entrée parce que l'homme avait péché. C'est la mort est entrée. Et tout ce qui était derrière, on dit que c'est l'accuseur, les menteurs, Satan, qui était derrière la mort. Et il jetait la mort, il répandait la mort, la terreur sur la terre. Mais non, le Seigneur est venu avec la lumière pour couper cette chose. C'est ça le travail de la lumière. C'est ça le travail que le Seigneur faisait. Et l'esprit qu'il a donné à ses disciples, le pouvoir qu'il a donné à ses disciples, c'était d'aller faire ce qu'il avait commencé, d'aller continuer. Et quand même il est parti, il a envoyé l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est venu le jour-là de la Pentecôte sur les gens pour qu'ils agissent de la même façon. Agir, marcher et accomplir, continuer le travail que le Seigneur est venu commencer. Le travail de la foi, c'est ça le travail de la foi. C'est par la foi que ceci est fait. Parce que si tu ne crois pas que le Seigneur est venu faire le travail, là, toi-même, tu ne peux pas te lever et aller faire ça. Et si tu ne crois pas que le Seigneur est venu pour guérir les malades, quand tu es malade, tu ne vas pas recevoir la guérison. Parce que tu n'es pas en train de croire que quelqu'un est venu faire le travail là pour toi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir malade. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir brisé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir aveugle. Il y a quelqu'un. Le Seigneur, Dieu, notre Père, ne veut pas te voir mourir. Non, le Seigneur ne veut pas la mort de quelqu'un. Même la mort avant l'âge. La mort avant le temps. Parce que là, maintenant, on a même pas seulement les gens de la rue, même les chrétiens qui sont en train de mourir avant leur temps. Et il y a ce message qui va tout autour, oui, tout autour en disant que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que les gens puissent mourir. Les gens puissent mourir avant leur âge, avant leur temps. La volonté du Seigneur n'est pas que les gens puissent vivre dans la maladie. Nulle part, pendant que le Seigneur, quand le Seigneur était sur terre, on l'a mené un malade. Il a dit que non, là, celui-là, je ne veux pas le guérir.
parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit malade. Non, nulle part on a vu ça. Tout ce qu'on a mené, il les a tous guéris. Tout ce qui était malade, ils ont été guéris. Tout ce dont on a appelé, quand la fille était malade, son papa a couru pour aller chercher Jésus-Christ et le réveiller. Quand Martha et Marie, quand leur frère Lazare était malade, ils ont envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour qu'on puisse dire au Seigneur Jésus-Christ que son ami, c'est lui dont il aime, il est malade. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu. Ceux qui n'ont pas appelé pendant ce temps-là, leur frère ou soeur ou quelqu'un n'était pas guéri. Alors, le Seigneur répond à l'appel. Le Seigneur répond aux prières de son peuple. Le Seigneur répond à la foi. Parce qu'on a vu la femme qui avait le problème du sang. Quand elle est venue, elle a touché la robe du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que ta foi t'a sauvé. Quand on lit la Bible, partout où on va voir tous ces gens ici, on va voir que le Seigneur est en train de dire que ta foi t'a sauvé. Alors, la foi nous avance à toucher le Seigneur. La foi nous amène à obtenir les choses de Dieu. La foi nous amène à voir la lumière. Et quand on voit la lumière, les ténèbres n'ont plus de place. Parce que le combat est un combat entre la lumière et les ténèbres. Et la lumière a déjà gagné, la lumière est en train de dominer, la lumière est en train de marcher. Et les œuvres des ténèbres ou les portes de l'enfer n'auront pas la force de se tenir devant la lumière qui est en train d'avancer, qui est en train d'avancer dans l'église. Alors, si l'église n'avance pas, si les gens qui sont dans l'église, si les croyants ne se lèvent pas pour avancer et chasser la mort, d'avancer vers les ténèbres, avancer vers l'enfer, pour que l'enfer puisse rentrer, reculer, fuir avec ses portes infernales, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. C'est pourquoi l'enseignement de la foi a été donné pour que les enfants de Dieu puissent croire. Cet message est un message de la foi. Il faut croire en Dieu parce que c'est par la foi que ce dont on a vu dans les livres des Hébreux 11, c'est un passage à lire. C'est une des livres des Hébreux 11 nous montre des hommes et des femmes qui ont fait de grandes choses, qui ont obtenu de grandes choses par leur foi. Alors, la foi en Dieu nous amène à voir des choses de Dieu. La foi en Dieu nous amène à voir la gloire de Dieu. Comme il est écrit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pendant son œuvre sur la terre est possible. Tout ce que le Seigneur a fait est possible. Comme il est écrit que rien n'est impossible à la foi. Quand on croit, on voit des grandes choses. Élie, quand il s'est mis pour stopper la pluie, c'était par la foi. C'était un homme comme nous, la Bible nous dit. Il s'est mis, il a prié, il n'y avait pas de pluie. Et puis, il est encore revenu après, il a prié, il avait la pluie. La Bible nous dit que c'est un homme comme nous. Mais la différence est qu'il avait la foi. La Bible nous dit que on peut avoir la foi. Parce que Dieu a donné une mesure de foi à tout le monde. Maintenant, c'est à nous de faire croire, de faire agrandir notre foi. C'est à nous d'amener notre foi à un niveau où elle bouge des montagnes. Parce que la Bible nous dit que la foi s'agrandit. La Bible nous dit que la foi
même quand elle est petite, comme une graine, une petite graine, elle a grandi. Elle devient comme tout un arbre. Et cet arbre, même les oiseaux peuvent venir se mettre dessus, et cet arbre peut donner l'ombre à beaucoup de gens. C'est ça la foi. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le mystère dans le royaume de Dieu. Et c'est ça le mystère de la foi. Parce qu'il est écrit aussi quelque part qu'il est grand le mystère de la foi. Alors, ce mystère de la foi, on l'a par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à croire les bonnes choses dans la parole de Dieu. Quand on écoute que Dieu est bon, c'est là le départ. Parce que si on ne croit pas que Dieu est bon, on ne peut pas croire obtenir quelque chose de lui. On doit mettre dans nos têtes, que Dieu est bon. Dieu est un bon Dieu. Dieu est bon. Il y a une chanson que les enfants d'Israël ont chantée quand ils partaient au combat. Contre des ennemis, trois pays, trois groupes qui étaient contre eux, et ils étaient très nombreux contre eux. Quand les enfants d'Israël sont partis dans le combat, ils ont chanté « Dieu est bon. Louez l'Éternel, notre Dieu, car il est bon. Car sa miséricorde dure pour toujours. » Ils sont partis au combat avec cette chanson. Et cette chanson était la force de leur foi. Ils ont mis leur foi dans la bonté de Dieu. Alors, ça, c'est notre point de départ. Que Dieu est bon. Dieu qui est bon, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, de mourir pour nous sur la croix. Alors, Dieu bon, il donne son Fils unique, Jésus-Christ, de mourir pour nous sur la croix, pour notre rachat. Alors, c'est bon Dieu, quand on met la foi en lui, tout le reste est possible. Parce que voilà les départs. On a la première marche. On fait les premiers pas en avançant vers Dieu. On avance vers Dieu sachant que le Dieu, c'est Dieu est bon. Sachant que c'est Dieu est merveilleux. C'est Dieu, il a l'amour envers moi. Parce que Dieu est amour. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse vivre et avoir la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur a fait. On est appelé à croire en Dieu. On est appelé à croire en Dieu. Et quand on croit en Dieu, on a la vie éternelle. On a la vie éternelle. Et la vie que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie où on attend que, ok, là, aujourd'hui, je peux mourir et je vais commencer ma vie dans l'éternité. Non, le Seigneur ne nous parle pas de l'éternité. Du gloire à Dieu, là-bas, à l'éternité, tout sera bien. Mais ici, tout doit être bien aussi. Ici, on commence l'éternité. Avec la foi, on commence l'éternité ici. Parce que David, après avoir tapé Goliath par la foi, il a commencé son éternité. Il a commencé sa vie dans la royauté en Israël. Il était le roi d'Israël. Ça, c'était une position qu'il a eue par la foi. Parce qu'il a cru que l'huile qu'on a mis sur sa tête, c'était une huile capable de faire tomber Goliath. C'était une huile capable de taper les lions. C'était une huile capable de taper l'ours. Alors, l'enfant David, par la foi, il s'est amené contre les géants, il a fait tomber les géants. Alors, sa famille ne payait plus de taxes en Israël. Sa famille était exemptée des taxes. Même quand Saoul s'est levé contre lui, le petit marché dit que je suis le roi et je suis le roi d'Israël. Pendant qu'il courait, il chantait des chansons en disant que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il chantait des chansons, il disait que longue vie au roi. Il s'appelait roi d'Israël. Dans la même foi qu'il est sorti contre Goliath, c'est la même foi qu'il marchait et disait que je suis le roi d'Israël. Loin là, quand son temps passait, je serai
Je serai. Il savait déjà que c'était lui. C'est lui. C'est pourquoi il chantait les chansons comme le Seigneur, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Les petits, ils savaient. Alors, c'est dans la foi. Il n'a pas entendu d'aller vivre dans l'éternité. Mais il a vécu sa dominion sur terre. Parce que dans l'éternité, on n'aura pas d'ennemis à combattre. Dans l'éternité, on n'aura pas de batailles à combattre. C'est ici, sur terre, qu'on est appelé à sortir pour payer les dettes des gens. C'est ici, sur terre, qu'on est appelé à prendre les morceaux de pain et multiplier, aller nourrir les pauvres. C'est ici, sur terre, qu'on est appelé à partir dans l'hôpital et guérir les gens, ramener les gens à la vie. C'est ici sur terre qu'on est appelé à partir à des fêtes et multiplier les jus d'orange, multiplier les jus d'ananas et en donner le jus de pamplemousse aux gens qui n'ont jamais eu de jus. C'est ici sur terre. C'est pourquoi la création ici, la nature est en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Parce que si les enfants de Dieu ne se manifestent pas, si les enfants de Dieu ne sortent pas pour faire ce que la foi, l'Esprit de Dieu a mis sur eux pour faire, ce qu'on va voir, ce sera encore les gens en train de se brûler, les gens en train de détruire les immeubles, les gens en train de couper leurs mains, les gens en train de lapider les gens en train de tuer, et c'est eux qui font la une, et ils vont continuer à faire la une. Parce que les enfants du royaume ne sont pas sortis pour manifester la force, pour manifester la puissance. Mais maintenant, ça, c'était ancien. Le temps est venu pour marcher dans la foi. Et la marche de la foi, ce n'est pas une marche de discussion. Le Seigneur a dit aux gens, Seigneur Jésus-Christ a dit aux gens qui lui posaient des questions, il a dit, mais croyez à mes œuvres, regardez les œuvres que je fais, croyez à mes œuvres, parce que les œuvres parlent. Beaucoup de gens, quand ils ont entendu ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, ils sont sortis pour venir écouter, pour venir voir. Quand le Seigneur Jésus-Christ a multiplié les pains et les a donnés, il faut lire. Quand on lit dans les livres de Matthieu, Luc, Jean, on voit qu'après, les gens continuent, ils suivent, ils cherchent. Jésus-Christ prend les bateaux pour partir de l'autre côté. Il prend aussi des bateaux, il va, il les cherche. Il dit que, Seigneur, pourquoi tu es parti? On te cherche. Il lui dit, hein, parce que vous avez mangé le pain. C'est pourquoi vous êtes encore me chercher. Voilà. Avant que l'homme vienne dans la foi, l'homme est attiré par ce qu'il voit. Alors, c'est pourquoi le Seigneur, connaissant ces choses-là, il a fait les choses que les gens voient. Il a démontré la puissance de Dieu, invisible. Il a démontré ça physiquement, en guérissant les gens, en libérant les gens, en chassant les démons. Et les gens, ils ont vu ça. Ils se sont mis pour écouter et ils ont cru. Et de là, on continue à marcher dans la foi. Voilà ce que la foi a fait. Voilà là où la foi amène. Et quand on croit, on marche maintenant. On marche dans la puissance du Seigneur pour faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. On marche dans la puissance de Jésus pour faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. On rentre dans l'identité pour faire ce que Dieu a fait. Parce que Dieu a fait, il a construit le ciel et la terre, il a donné tout à Adam et Adam avait maintenant le pouvoir de partir et de sortir et d'appeler les animaux par leur nom. Et comme il les appelait, les animaux devenaient. Mais non, parce qu'il était à l'image de Dieu, il pouvait faire ça. Et aujourd'hui, quand on a maintenant l'image, quand on est rappelé dans l'image de Dieu, on est appelé à parler comme lui, en étant les fils et les enfants de la promesse. On est appelé à regarder
et à faire. Parce que lui-même, il a dit que ce que je vois mon père en train de faire, j'ai fait. Alors, nous aussi, si on est enfant, si on est enfant, si vraiment on est enfant, si l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant, alors tu es dans la force, dans le droit de te lever, de dire que ce que je lui vois en train de faire, j'ai fait. C'est que tu, quand tu lis, tu regardes que il est en train de marcher sur les eaux de la mer. Je peux marcher sur les eaux de la mer. Parce que quand Pierre il a dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi de venir. Je vais venir aussi. Il a dit que Pierre, viens, par la parole. Pierre est sorti du bateau. Il s'est mis à marcher sur l'eau. Parce que c'était aussi donné à Pierre. C'était aussi donné aux enfants. De faire ce que le Père fait. Le Père nous a donné la force. Il nous a donné la dominion. Maintenant, quand on marche dans cette dominion, quand on comprend cette chose, quand on comprend ces choses et on marche, on ne peut que dominer. On est dans la dominion. Dominion. On domine. On domine. On domine. On a la force sur toute chose. On a l'autorité. On a la puissance. On a l'autorité. On a la puissance sur toute chose. On domine. On domine les vents. On domine les arbres. On domine les montagnes. On domine les ténèbres. Parce qu'on est enfant de la lumière. Voilà le message de la foi. Voilà le message. Et la fin n'est pas encore arrivée parce que cette parole n'est pas encore arrivée aux extrémités de la terre. Quand la parole de la foi arrivera aux extrémités de la terre, et là ce sera fait. Mais on a entendu beaucoup de choses partir même aux extrémités de la terre, ce qui ne donne pas la foi, ce qui ne donne pas le courage et ce qui ne guérit pas. Parce que aujourd'hui, le Seigneur veut que son peuple puisse être guéri. Le Seigneur veut que son peuple puisse être béni. C'est pourquoi il a béni Abraham. C'est pourquoi il a béni. Il a béni Isaac. C'est pourquoi il a béni Israël. Il a voulu faire son peuple, de son peuple, ce qui était au commencement. Une place, une maison où il n'y a pas de maladie, une maison où il n'y a pas de mort, une maison où il n'y a pas de pauvreté, une maison où il n'y a pas de ténèbres. La lumière du Christ, la lumière de la parole, la lumière de la force de Dieu. Voilà ce que le Seigneur est venu donner. Voilà, il a dit, quand on lit dans les livres de Luc 4, regardons un peu dans Luc 4, ce que le Seigneur dit. Le Seigneur Dieu dit dans les quatre que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit... Bonjour frères et sœurs. Mon nom c'est Frère Coco King. Je suis très content d'avoir le temps de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, trouvez-moi sur Facebook, Coco King. Je suis ouvert à tout le monde. Ajoutez-moi comme ami. Si vous avez des questions, posez-moi.